Avec même plaisir à nous rejoindre encore une fois, pas oublier ou sur TV Lakay si c'est pour la première fois ou connecté sur canal ça ou sur canal information sans nous pas parler trop pour nous prendre bon détail et information qui nous porter pour en dans vidéo ça. Et bien jodi a là gien Besap qui même encore une fois sorti non silencieux après et ministère et bien environnement avec premier ministre Ariel Henry te fin sorti note pour faire qu'on est pour annuler tout badge agent Besapio et nèg yo cementé nèg yo di pa rien bagay comme ça qui donc c'est Jovenel qui te météo à la poste et bien c'est Jovenel qui t'a dû retirer Ariel Henry pa rien légitimité pour poser grosse action ça nan pays a pa invite au gè détail et puis gen tout et Rosemont Jean comme toujours et nan camp président Jovenel Moïse nan si on nan attaquant très fort et monsieur attaqué très fort là donc Ariel Henry comme yon nan nèg qui participe dans assassinat président Jovenel Moïse selon sa toute enquête internationale comme pays d'Haïti bay et mentionné Ariel parler ak Badjo yon nan véritable assassin nan l'amour Jovenel et jusqu'à présent la police pou ka mete la patte sous monsieur Saan pral invite gen tout détail et c'est pour ça nous pote vidéo ça pour ça nous pas parler trop en entrer directement nan information tout ça si moun pa konnen nan gendarme. Selon déclaration dans la presse, brigade surveillance zone protégée dans Nord-Est qui gen ti non jwet yo Besap, voyez jeter bien loin décision ministère environnement prend pour annuler badge tout agent qui fait partie COSA. Dans une conférence pour la presse yo bay jeudi 24 février 2022, agent Besap yo dans Nord-Est dénoncé décision ça. Pendant yo fait konnen, c'est un manque de respect ak leadership bon côté ministre cadet qui fait le prendre zi ça. Génier Joseph, c'est porte-parole Besap dans Nord-Est. Bon, nous-mêmes, dans le département Nord-Est, garde environnemental de SAP, nous dénonçons déclaration, manque de leadership, manque de responsabilité, ministère environnement vert, qui c'est M. James Cadet. Nous ne pouvons pas croire que yon simple circulaire te ka rentré yon arrêté présidentiel. Parce que BESAP existait depuis la création du ministère de l'Environnement. Boniface Alexandre en 2006, Besap ville opérationnelle en 2017, sous Jovenel Moïse. Il a créé ANAP, qui est l'Agence nationale des aires protégées, qui est toute agence à eau, là. Nous là pour protéger l'environnement. Là où vous faites telle déclaration pour ça, l'agence à eau, qui a travaillé depuis en 2017, ou pour que j'aime pas au goût, volontairement, il y a plein de populations au service. Vous ne pouvez pas faire une déclaration comme ça. Vous dites que le qui n'a pas existé encore. Quand on lague ça, quand on lague ça, quand on lague la population, quand on connaît dans chaque département, il y a plus de 1000 agents BESAP dans tout département, dans toute étendue du territoire national. Vous dites que le badge n'a pas existé. Dans nos pays, l'insécurité a blahi, kidnapping, cadet, vol, viol. Vous dites que le badge n'a pas existé. Et pour nous, qui joue la population. Puis loin, Janier Joseph fait qu'on est coup ça pas passé. Et on déjà paré pour faire ministre Kadè fait bac sous décision ça. Nous-mêmes, comme Gaz Nord-Est, comme responsable BESAP dans Nord-Est, nous avons mis tout agent en position 2. Et nous avons le ministère 72 heures de temps. Puis rentrer décision ça le plus vite que possible. Après ça, vous pita papitis. Nous-mêmes, nous avons bloqué le pays. Avant d'entendre un salut. Jodley Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. La presse parlée, presse écrite, presse télévisée. Nous avons salué les gens de l'Union, tout internaute, tout compatriote qui ont vécu à l'étranger, qui ont souffert par rapport à la situation d'insécurité que le pays a fait face. Maintenant, FONOD, qui est le Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable et démocratique, veut fixer position sur trois points qui ont fait l'actualité en deux pays. Premièrement, nous voulons condamner de façon fermement, sans réserve, façon la police agent en institution police nationale là assassiné
journaliste Lazare. Pour nous, son scandale de trop. Et nous condamner l'assassinat ça. Pendant nous présenter sympathie, nos condoléances nous à la famille journaliste Lazare et bon rétablissement à journaliste qui blessé dans le cadre d'exercice fonction. Nous pensons ça, c'est un assassinat et direction police nationale là, ta doit prendre toute responsabilité pour rejoindre un assassin ça qui est dedans, corps police nationale là, qui a assassiné journaliste et fait tentative d'assassinat sur l'autre journaliste qui trouvait au cognac l'hôpital ou du moins en convalescent la caillou dans le cadre d'exercice fonction. Nous même dans Fonot, nous condamnons Jean de Zaksa et nous demandons pour que la justice capable de dire le mot du droit concernant Zak Krapulisa. Deuxième point que nous gagnons, qui intéresse nous matin en venant devant la presse encore, c'est acte, comportement et action ministre James Kadè, qui est ancien directeur, un ancien policier, qui était directeur 10 qui en dedans, qui jodiak vient remplacer par Agence nationale des aires protégées, qui c'est BESAP, qui gagne une entité, côté BESAP là, côté Mdadi, ANAP là, en dedans, yon direction qui relè BESAP. Moi, entendez, je ne pas de quoi. Est-ce que c'est vrai, ministre James Kadè? Non seulement est-ce qu'elle te font un communiqué sorti pareil, ou dis-moi est-ce que effectivement ça y a bien c'est vrai? Parce que pour moi c'est un plus gros scandale, c'est un plus gros on t'a dit acte malhonnête que ministre t'a pas posé. Et s'il pose ça, à qui profite le crime? Pour qui monde? Pour qui est-ce qui prend telle décision? Et c'est pour ça matin nous venons là, non seulement pour nous condamner Zaksa, mais tout pour demander ministre James Kadè, qui fait partie du gouvernement de facto, ou du moins qui associe avec Saoule et monsieur Ariel Henry, l'un des suspects potentiels de l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous besoin de connaître est-ce que ce projet qui a continué. Puisque jodi a une campagne, il y a une volonté manifeste en de pays pour décentraliser ça relève le banditisme, ça relève et gang armé. Mais nous connaissons des zones dans de pays, surtout le Grand Nord, bandit pas arrivé envahi dans ces deux zones là, c'est par rapport avec BESAP. Que nèg yo vinn créer une stratégie pour faire BESAP la vinn paraître tant pour yon bagay criminel qui fait comme yon institution qui fait des bagay qui pas ça, mais avec un seul objectif: comment disparaître des institutions qui bay service à pays et puis pour faire place net à bandi. On va prendre trois exemples pour m'expliquer ça. En 1988, pour nèg yo travail pour aboutir à sa relais la démobilisation, pour sa relais écraser institution militaire. Bah connait à l'époque Lavalas, Aristide, de tout mettre ensemble nèg qui prend frère au petit yo madame yo, yo voyé yo al casser Accra. Magasin Accra. Et puis avec uniforme militaire et puis yo dit l'armée dans Zenglendou, mais l'armée al casser ka Accra, l'armée al fait Zenglendou. Mais pourtant, je dis à nous regarder de nombre d'années, l'armée démobilisée, écrasée, il n'y a jamais de militaires ont démobilisé dans la gang dans le volet. Alors que l'institution a fait quoi? Que c'est eux
qui t'a fait tel acte, t'a commis tel acte. Ou à jeune ancien militaire, plutôt ralon bourré en bas de quoi de vos salles, qu'on joigne ni la fait 100 000, 200 000 dollars dans le kidnapping, dans le vol. Or, ça c'est une. En 94, avec le retour d'Aristide au pays, où jeune, n'a démobilisé un paquet militaire. Dans le palais national, il y a tout de yon exam. D'après grandi, ça a eu un exam dans la vie. Aristide prend pouvoir en 1990. Au lieu, il mette livre à prime dans mes timoun. C'est timoun 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, zam en main. Et puis photo Aristide, Marine encore, M1, Galil, etc. Dans le cadre de mobilisation, bagaille, la main rouge, tout le monde connaît. Eh bien, qui ça s'avine une baille comme résultat? Si mon tire 10, 10, 12 ans, 13 ans à l'époque, je dis à l'avine 30, 40 ans, l'habitude à l'argent, ce n'est pas de l'école l'idée. Qui sème le vent? Ou contre la tempête, n'est-ce pas? Ça veut dire, si mon ça aussi, c'est l'école, je dis à l'université, à l'université, à une base de formation, à une des services, etc. Mais le fait que ces âmes nous mettent dans le même, ça vient tourner. Ils viennent tourner gang en main. Et c'est ça nous planter, l'offre une plantelle, ou pas qu'à récolter l'autre bagaille qui est ça. Le, ensuite, et après départ, en 2004, nous avons fini le paquet militaire et membre IGPN qui était dans le palais. Nous avons tout d'ailleurs à toutes les âmes dans le même. Mais ça qui mène nous, dans le cas de Boumbe, nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'arrivée Matissan, gang armé. Où il fait Cité Soleil, gang armé. Où il fait quoi de bouquet, gang armé. 400 Marozo, Izo, Tilapli, Ariel Henry, etc. etc. Tout a mis des gangs campés. Parce que le meilleur moyen, l'on pas de vision, ou pas de projet, ou pas de capacité politique, ou obligé de chercher des moyens de d'intimidation pour prendre la population en otage. Comment comprendre que je suis par le national qui a un budget exhaustif? Nous avons une mission pour veiller au président de la République. Malgré fortune, l'argent mettait dans les policiers. Peut-être 1000 dollars américains, ils ont livré au président de la République. Pour 1000 dollars américains, des policiers qui font partie d'une institution aussi prestigieuse que la police nationale, une institution aussi prestigieuse que l'IRGPN, une entité pareille, pour n'avoir tellement de difficultés, peut-être 1000 dollars. Yo ba yon président, yo d'accord, yo assassiné président nan mais. Voilà qu'elle pas mandé pour craser institution ça qui c'est la police nationale d'Haïti. Comment comprendre que ti té moun la plupart policier gen qui tombé dans kidnapping, gen qui tombé dans vol armé, c'est normal son institution. Gen instance qui là pour sanctionner yon voyou, yon délinquant qui infiltré yon institution. Laisse ça institution à plus haut niveau. La prend les décisions qui s'imposent par rapport à bandits qui commettent le crime. Puisque dans qui goût avocat, yo dit, yo dit tout le monde, la responsabilité pénale est personnelle. Si la responsabilité pénale est personnelle, eh bien, ou pas qu'à prendre une institution, tant qu'ANAP qui crée, qui goût arrêté présidentiel, qui a une loi qui vote, qui met l'institution à camper, qui c'est Agence Nationale des Aires Protégées. Agence protégée, il vient jouer, il vient ministre Pierre Simon Georges à l'époque, il vient ministre de l'Environnement, qui prend des décisions pour renforcer l'institution, qui prend le bal ça, il y a en plein une institution pour répondre à des missions bien spécifiques, parmi lesquelles Pierre Simon Georges, pendant le ministre de l'Environnement, il était rêvé l'institution. C'est sous base ça ou pral Simon Georges pral venir avec sa relé près de 14 centres germoplastes pour rebraser le pays. Mais centres germoplastes, ils viennent tourner des zones protégées, des zones réserves, des zones qui méritent sécurité. Dans le combat pour question Sabre, Keskov, la boule 12, Mon Cabrit, qui moun qui allait qui mettait une série de l'ordre dans l'institution, c'est l'Agence nationale des aires protégées, ANAP. Mais pour ANAP capable
exercer mission ça que au balé pour protéger ensemble des zones et protéger ça yo faut qu'il gon bras armé pour gon bras armé c'est ça qu'elle créer en dans institution ça parce que à Napla lycée en instance autonome qui gon budget qui gon directeur général lui comprenez bien qui gon budget pas budget ministre environnement qui gagne, ils ont arrêté qui nous ont tiré, même j'ai arrêté nos ministres. Ça veut dire en aucun cas, même lorsque le ministre attaque folie chimérique, il n'a pas qu'à exercer chimérique sur une institution qui est autonome. Ça veut dire si tu as gagné, parce que dans toute institution, on m'a fait un dispute, dans le dispute, il y a trois choses de volant. Dans le dispute, il y a trois choses d'assassin. Il y a un docteur assassin, il y a tout bagaille. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute famille en net qui est assassin. L'autre le cas Ariel Henry, que vous avez estimé impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Même lorsqu'elle travaille des indices qu'elle sont assassins, mais ce n'est pas ça que vous faites dire frère Ariel Henry, cousin Ariel Henry, c'est assassin. Alors, si je vais me régler, je vais me régler avec Ariel Henry. Si je vais me régler, je vais me régler avec James Cadet. Mais je vais me régler avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la même mission, il n'a pas impliqué dans le monde. C'est même gens pour la police nationale. Il y a des policiers qui ont fait des bagailles, qui ont fait des vieux, qui ont fait des sang, qui ont fait des institutions policières. Mais ce n'est pas ça qui fait. Dans la police nationale, il n'y a pas des voyous qui infiltrent. Mais ils mettent des balises lorsque ils jouent une voyou ça, pour les reprimander, pour les mériter. C'est même gens pour BESAP, qui c'est Brigade Protection Environnement. Zone protégée. Ou qu'a toujours joué un voyou, ou qu'a toujours joué un délinquant, ou qu'a joué un assassin, ou qu'a même joué un kidnappé. Cependant, ça l'État doit faire, l'État fait pour mettre des balises. Quand nous mettons, nous, bon Dieu permet de nous identifier délinquants, voyou ça, nous balles sanctions à plus haut niveau qui pour décourager tout l'autre. Mais l'autre prend des mouns qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de travail dans le BESAP. Yo pa jam paye sous prétexte pour qu'on gagne budget. Kou gagne budget, nous cherchons moyen pour nous dire nous annuler tout batch qui nous mène avec BESAP pour nous pas payer. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est correcte? Kou gagne comme la rentrée, c'est quand nous dit et gagne yo qui participe. Alors que oui, je dis à gagne policier qui participe dans tuer Jovenel Moïse. Est-ce que ça mande nous pour nous craser la police nationale d'Haïti? Oui, il y a des policiers qui ont des bagages gang. Est-ce que ça demande pour me craser la police, pour avilir l'institution police qui sont institution prestigieuse qui l'a pour servir le pays? Moi, je pense que c'est non. Je pense qu'on a toute institution capable de délinquer, mais c'est des mesures fortes pour nous prendre, pour nous corriger sans nous corriger. Est-ce que je dis avec 400 marozo, toute gang ça a bien zam, je dis à nous prendre créer l'autre, nous augmenter les âmes qui sont dans la rue. Pour l'État, pas quelque chose. Moi, pense, matin, nous te fait, voulons faire lumière ça. Pour nous dire, pays n'a pas qu'à supporter, n'est pas examen illégal encore, insécurité. Ça veut dire, toute démarche, gouvernement, ça mène, c'est démarche, comment rendre pays invivable. Comment rendre pays, comment créer des situations pour ne pas parler de l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour ne pas parler des situations pour l'élection dans le pays. Parce que, depuis qu'il y a insécurité, on a dit non, l'élection n'a pas qu'à faire. Et puis, même là, il y a pillé, il y a volé, il y a saccagé, il y a pas fini, personne ne peut dire rien. Parce que, il y a une situation d'insécurité. Eh bien, matin, nous-mêmes, nous prenons position pour nous demander avec le ministre de facto, qui c'est James Cadet, éviter le pays de Katouboumbe entre les examens. Et je demande à la police nationale de prendre précaution pour ne pas quitter. Mais c'est ça, vous traînez, vous avez une situation de non-retour. Parce que ça, nous avons cherché dans le pays aujourd'hui, c'est stabilité, c'est la paix, c'est la sécurité que nous avons cherché. Là, nous comprenons, pour une institution, la police nationale d'Haïti, en dedans, nous avons des choses qui sont en dedans, qui sont les fantômes 509, pour nous permettre de craser la police nationale. Et tout le monde constate ça, fantôme 509, tu as fait pour Ariel Henry, tu as fait pour nous dans le pays. Pour te mener un pays à côté de l'IA. Mais si je m'en décrase la police nationale, et qui ça me fait avec tout le monde des biens, policiers des biens qui ont fait sacrifice dans le pays? Eh bien, je dis oui, si il y a des individus dans l'institution qui font des bagages qui ne sont pas corrects,
c'est pour nous sanctionner les gens qui font actes, mais c'est pour nous travailler pour l'épanouissement, pour dynamiser, pour rendre l'institution fort pour les individus qui font un bagage pour sanctionner. C'est peut-être ça matin, pour nous dire, nous faire conférence, hein, pour nous dire situation de sécurité, ça, qui c'est une situation politique. Les gars, nous comprenons, ça qui a passé dans l'arrière, c'est des bails au hasard. Non. C'est des calculs que nous avons fait pour empêcher l'autre monde, l'autre institution, Haïti qui doit payer avec notre pays, eh bien, ils ont créé un secte infernal. Ils ont eu les kidnappings, ils ont eu les insécurités. Mais quand il y a James Kade estimé, bras 400 maos au passé, ils estimé Iso Matissan, Tilapigra a vu passé, eh bien, ils ont cherché à créer d'autres nègres à pour créer plus de troubles, pour ne pas jamais de la paix, et puis pour eux-mêmes, ils sont capables de prendre le pays pour faire ça. Vous voulez. Nous condamnons ça et nous demandons au ministre de l'Environnement, c'est le ministre de facto, nous demandons à Ariel Henry, il a déjà assez charge sous tête, li, pas mettre plus que ça pour prendre une décision de chasse, pardon, une décision de sagesse pour faire retrait sous déclaration que vous faites côté batch. Besap, yo retiré et puis yo quitté tout nèg exam nan men yo. Nous pensons de préférence, li ta pi sage que yo rentre la caillou, yo réuni avec tout nèg messieurs yo, parce que et militaire démobilisé qui en dans institution ça qui pas jamais participer dans ça pas ça, et nous que 3 4 5 ans yo travail nous pas camper yo an pral di avec yo, yo y a camper, yo croiser bras yo et puis yo garder ou violer droit yo. Nous pas quoi normal, et c'est peut-être ça matin. Hein? Nous baillons conférence pour nous demander ministre de facto pour ressaisir. S'il pas qu'à diriger, nous comprenons. C'est pas parce que vous médecin, c'est pas parce que vous docteur, c'est pas parce que ceci, ça qu'a fait ou qu'a dirigé ça ou la chose publique. Parce que ça, il faut une expertise là-dedans. Il faut une compétence dans la matière pour capable faire la bonne gestion de la cité. Avec dit, nous pensons que c'est des décisions folie qui sont capables de mener le pays à la catastrophe. Et nous demandons à ce que l'autorité de facto, puisque c'est eux là, puis faire des décisions sur des mesures chimériques qu'ils prennent, puis parler avec le pays dans plus de 4 boumbe que ça le connaît aujourd'hui.